Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Et nous sommes sur Dokkan Battle sur la version globale. Et on va partir faire une petite vidéo invocation, voilà, sur Bleach Brave Souls. Donc c'est mes dernières orbes sur le portail. Donc pour ceux qui jouent, parce qu'évidemment pour ceux qui ne jouent pas, vous n'allez pas comprendre, mais sur voilà le portail de la guerre sanglante de Milan, etc. Donc en fait, pour même pour ceux qui ne connaissent pas, pour information, ça fait référence à un arc qui n'est disponible que dans le manga papier, qui n'a pas été adapté en animé pour l'instant, même si ça fait des années que l'animé est arrêté, donc j'y crois plus vraiment. Ce qui est dommage, hein, parce que l'animé était vraiment d'une excellente qualité. Et cet arc est fou. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent Bleach, c'est un arc magnifique. Enfin franchement, c'est excellent. Donc... forcément, comme c'est quelque chose qui n'a pas été adapté en animé, bah voir ces personnages débouler dans le jeu, ça fait plaisir parce que ça donne une petite aperçu de ce que ça pourrait donner en animé, hein, finalement. Hein, c'est juste ça. Hein. T'as les voix, t'as les attaques spé, enfin c'est voilà, c'est excellent. Du coup, c'est enfin il y a une hype de ouf autour de ces personnages. Et au-delà de la hype, c'est des personnages de fou dans le jeu. Ils ont tous quelque chose de spécial en fait, ils ont apporté chacun une petite nouveauté, enfin à part Toshiro, mais je vais y revenir. Si on commence par Kyoraku, alors on va aller voir les stats, bon pour ceux qui jouent comme ça, ça peut être intéressant. Pour ceux qui jouent pas, si vous voulez aller directement aux invocations, ou alors regardez si ça vous intéresse, peut-être que vous aurez envie de jouer. Enfin en tout cas, tout fan de Bleach va apprécier le jeu, hein. Concrètement, en plus le gameplay est vraiment sympa. Alors... Donc, Kyoraku, le meilleur, enfin, le perso le plus intéressant de la bannière, et je pense que c'est peut-être même la meilleure carte du jeu à l'heure actuelle, du coup. Bon, déjà, il est magnifique, il est complètement pété, j'adore ce personnage à la base, mais en plus, dans cet arc, mais c'est le feu, enfin bref. Donc lui, qu'est-ce qu'il apporte en fait? C'est que sur son attaque spé, il peut tuer instantanément n'importe quel ennemi, même un boss, c'est ça qui est ouf. T'arrives au boss, tu claques ta spé. Pour ceux qui jouent à One Piece of the Storm, c'est un peu le même principe entre guillemets. Souvent, tu gardes ta spé et tu la claques à la fin contre le boss. C'est un peu pareil. Donc là, tu peux, t'as une chance. Alors, on n'a pas le pourcentage là. Mais tu peux potentiellement one-shot le boss. Quel que soit le boss. Donc, c'est ouf. Enfin, c'est magnifique. Donc, voilà, la spé, elle est magnifique. On va aller checker les personnages rapidement après. Donc, voilà, je ne vais pas m'étendre sur le reste parce que sinon, ce serait un peu long. Mais, personnage de fou. Alors, pour ceux qui connaissent, il a attaque puissante déchaînée. Donc il me semble que c'est Frenzy en termes du jeu. Donc Frenzy qui veut dire que... Alors attaque puissante déchaînée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais tes attaques puissantes, donc les strong dans le jeu, on appelle ça comme ça. En fait, non, t'as un dégât, c'est-à-dire voilà, tu vas taper à 3000. Et en fait, quand t'as attaque puissante déchaînée, tu vas avoir 2 fois 3000 en fait. Ça va compter pour 2 hits alors que tu ne fais qu'une seule attaque. C'est ça qui est ouf, donc double dégâts hein, tout simplement. Ensuite on a le Toshiro, alors lui il change pas, enfin il apporte rien de ouf, mais en fait ce qui est ouf c'est que toutes ses attaques gèlent l'ennemi, enfin peut geler l'ennemi. Ce qui fait que tu fais tes enchaînements d'amont, on va le voir juste après en testant le perso, bah tu peux potentiellement glacer à chaque fois l'ennemi et une fois qu'il est glacé il bouge plus pendant quelques secondes. Donc ça t'apporte quand même un avantage de ouf et du coup lui en PVP il est excellent. Et pareil la carte elle est magnifique, enfin j'ai pas grand chose à dire, 749 en pression spi c'est énorme. Je crois que c'est la meilleure du jeu, oui c'est la meilleure du jeu, je confirme. Le Byakuya qui peut paraître en retrait, alors lui est-ce qu'il a un... Ouais, attaque puissante déchaînée, pareil il a Frenzy. Alors il peut paraître un peu en retrait parce qu'il n'a pas de Frenzy ou de Flurry, alors Flurry c'est attaque normale déchaînée. Donc faut savoir que dans le jeu tes attaques normales c'est tes attaques, enfin, vous verrez quand je vais jouer, mais c'est l'attaque de base et après attaque puissante c'est les strong, donc c'est ce qu'il y a à côté. Donc c'est-à-dire quand tu fais des attaques normales, le truc c'est que les attaques normales souvent t'en fais beaucoup en peu de temps. Donc quand t'as Flurry, ce qui te permet d'avoir un hit en plus, bah tu fais 2 fois plus de dégâts encore une fois, donc c'est excellent. Donc lui il a rien de tout ça, mais le truc qu'il apporte c'est quand même cheaté de ouf. Alors je sais plus si sur quel strong, je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième, mais en fait, une fois enfin tu fais ta strong, ça fait des dégâts et en fait, le mec il fait pop un bouclier sur lui et sur les alliés, c'est ouf. Et en fait, on va vérifier après, mais il me semble que jusqu'à 4 fois... Et je crois que ça dure 20 secondes, sinon après ça disparaît, faut le... Mais bon, après tu peux refaire ton attaque et récupérer le bouclier. Et en fait, pendant 4 fois, enfin, jusqu'à 4 fois, tu te feras pas toucher. Si tu te fais toucher, ça tapera à 0. On va voir ça après, mais c'est ouf. Et le Komamura, donc j'ai eu, et enfin c'est celui-là que je voulais, parce que j'avais pas de gros perso orange dans le jeu. Donc je suis très content de l'avoir eu. Lui, alors, quand il part en spé, donc l'idée en fait, lui, c'est qu'il a un Flurry. C'est-à-dire qu'il fait des attaques normales déchaînées. Donc lui, l'idée, c'est qu'il faut faire sa spé dès le début. Parce qu'une fois que tu as fait l'aspect, ça débloque en fait un coup
unique sur les attaques normales, sachant que c'est un personnage attaque normale. Et en fait, on va le voir après, hein, il fait une attaque en zone avec le katana en fait de son Bankai en fait qui apparaît. Et ça fait des dégâts de ouf et en zone. Et du coup, donc l'idée, voilà, c'est de faire l'aspect dès le début, parce que de toute façon, quand tu joues un personnage attaque normale, tu fais pas beaucoup de dégâts avec l'aspect. Donc tu la claques au début et après tu fais des dégâts avec tes attaques normales de ouf. Après, faut avoir les bons accessoires pour le jouer comme ça. Hein. C'est vrai que c'est pas forcément évident, donc il faut, enfin voilà, faut avoir un peu de temps pour jouer. Comme tout jeu de farm, hein, j'ai envie de vous dire. Et enfin, il y a des persos 5 étoiles hors détecteur. Mais vous voyez, il n'y en a que 5, hein, contrairement à Dokkan où t'as 100 cartes hors détecteur, n'est-ce pas? Donc c'est quand même mieux, même si t'es pas. Enfin, des fois, le hors détecteur il est ouf. Là, pour le coup, il est pas fou. La Yachiro à droite est pas mal. Il me semble qu'elle a un Fleury ou Frenzy, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est Fleury. Bref. Et les autres, c'est pas oufissime. Bah, après, en Link, c'est intéressant. Le seul que je n'ai pas, parce que du coup, dans mes invocations, j'ai eu Komamura. Je crois que j'ai. Franchement, là, je pense que je suis à 2000. Je pense que je dois être à 2400 orbes, je pense. Et j'ai eu 4-5 étoiles, ce qui fait que je suis dans le taux de drop. Puisqu'en gros, c'est 6%. Donc 6%, ça fait. Je crois que ça fait 600 orbes. Voilà, 600 orbes pour un 5 étoiles en moyenne. Donc je pense que je suis à 2400, peut-être un peu moins quand même, mais je dois pas être loin. Donc j'ai eu 4-5 étoiles, le problème c'est que j'ai eu Komamura du portail, et après j'ai eu comment il s'appelle déjà? Lui c'est Love, lui j'ai oublié son nom, Rose, voilà, Rose. Donc ces deux là qui sont pas ouf, après c'est pas pourri, mais après en lien c'est bien parce qu'ils ont attaque puissante plus 20% et l'autre c'est attaque normale 20%, j'en avais besoin. La Nemu elle est vraiment pas ouf, je crois, elle est vraiment pourrie pour le coup. Et le Kisuke du passé, je ne l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir parce qu'il a un bon link pour augmenter le taux de drop. Enfin, des différents items à farmer. Mais voilà, après, ça devient un portail dangereux. C'est pour ça que je ne mettrai pas plus d'orbes. Sachant de toute façon, en plus, que je vais bientôt être en PLS. Parce que le problème, c'est que j'ai éveillé tous mes 4 étoiles. Enfin, éveillé, maxé mes 4 étoiles. Faut savoir, dans le jeu, à chaque fois que tu maxes une carte, tu récupères des orbes, peu importe la rareté. Et j'ai. J'ai maxé toutes mes 4 étoiles, donc j'ai un peu fait le tour. Donc, vous voyez, l'attaque normale, c'est ce qu'il y a à droite, c'est le gros bouton à droite. Donc c'est l'enchaînement de base en fait. Et les strongs c'est ce qu'il y a autour. Voilà. Tout simplement. Donc la première. Voilà. On va faire la troisième. Voilà, ça touche tout l'écran. Et l'aspect. Je laisse. C'est tellement stylé. C'est magnifique. C'est magnifique les gars. Ça, c'est une attaque qui repousse. C'est magnifique. Donc voilà le Kyuraku. Alors là, les cartes sont niveau 100 quand on les teste, donc elles sont pas du tout au maximum, hein, pour info. Mais franchement, c'est ouf. Alors on va tester le Toshiro. Donc il gèle tous ses ennemis. Enfin, toutes les attaques gèlent, vous voyez. Donc là, vous voyez. Alors le problème, c'est qu'on leur fait tellement de dégâts qu'on n'a pas le temps de les geler, mais bon. Vous avez compris. Une attaque de zone. Donc la troisième. Je crois que ça touche tout l'écran aussi. Et l'aspect. Magnifique. Magnifique les gars. C'est ouf. C'est ouf. Donc voilà, c'est magnifique. C'est tellement stylé. Ensuite, le Byakuya. Vous allez voir le fameux bouclard qui est quand même bien cheaté. C'est pour ça que ce personnage. Je préfère avoir Kyuraku parce que déjà c'est un choix à la fois de cœur parce que j'adore et parce que le perso est cheaté. Donc là, ok. Donc le bouclard c'est le deuxième. Donc vous voyez, tu fais ton truc, ça fait des dégâts de zone et en plus voilà, t'as un bouclard. Et vous voyez en haut à gauche, il écrit 3. Donc si je me fais toucher, voilà, 0. Voilà, 0. Sachant que dans le jeu, si tu joues bien, il y a moyen de jamais te faire toucher. Alors après, faut bien esquiver, comme c'est pas forcément facile. Mais il y a moyen de jamais te faire toucher. C'est plus dur quand même contre les boss. C'est-à-dire que tu mets ce bouclard, le boss, il a le temps de te taper 4 fois que tu prendras 0 dégâts. C'est ouf. Donc c'est pour ça que c'est un perso de ouf. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, l'aspect est magnifique aussi. Enfin, franchement, ces 4 persos, ils sont tellement lourds. J'avoue que Toshiro, je préférerais l'avoir. Enfin, c'est celui-là que je préférerais le moins avoir parmi ceux qui restent. Mais c'est ouf. Alors, Komamura, on va claquer l'aspect dès le début. Bankai ! Pff.
Et maintenant, regardez la quatrième attaque, vous voyez, ça fait une grosse épée. Alors d'habitude, ça faisait rien, ça faisait juste un coup d'épée normal. Et là, bim. Donc c'est magnifique. Je crois la troisième strong, elle est magnifique aussi. Regardez ça. C'est magnifique. Je leur mets une petite dernière fois parce que je kiffe. Franchement, entre les quatre, enfin toutes les spées sont magnifiques. Je sais pas. Les 4 spés sont magnifiques. Ah, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur. Je pense que je fais une préférence pour Kyoraku, hein, mine de rien. Après Komamura, après Byakuya et après Toshiro quand même. Mais même celle de Toshiro, elle est très belle. Donc voilà les amis, je mettrai un timecode pour ceux qui veulent aller directement aux invocations. Mais moi, j'aime bien quand même regarder les cartes, les tester sur Bleach quand même. Ça me paraît. En plus, on nous laisse l'occasion de les tester, donc autant le faire. Donc c'est parti, donc là c'est mes dernières orbes sur ce portail, j'aurais mis, ouais je pense quasiment 2500 orbes. Donc, l'objectif de la vidéo c'est avoir une 5 étoiles, si possible Kyoraku, sinon Byakuya, sinon Toshiro. C'est une 5 étoiles ça? Ah, on commence d'entrée de jeu! Attendez, je veux pas voir, enfin je regarde pas. Oh! Sur une single! Mais les gars, putain, la puissance de la vidéo, mais ça fait je sais pas combien d'orbes que je claque que je n'ai rien du tout. Et là, le Kyoraku, il tombe direct sur la première single de la vidéo. Mais c'est pas possible. Mais c'est magnifique, c'est celle que je vous l'ai dit, y a pas de triche ou quoi que ce soit, mais c'est le feu. Mais il est excellent, mais en plus j'adore le personnage. Oh là là, mais c'est ouf. Ah, fallait tester les personnages pour leur donner respect, je pense. Du coup, je sais pas quoi faire. Parce que d'un côté, là, ça commence à être chaud. Parce que j'ai quasiment tout. Enfin, il me manque deux personnages du portail. Mais j'ai les deux plus intéressants. Enfin, selon moi. Enfin, de mes préférences. Enfin, Kyoraku, il n'y a pas de discussion. Mais après, il y a discussion. Byakuya, il y a quand même intéressant. Je sais pas quoi faire. Parce qu'honnêtement, là, le portail devient dangereux pour moi. Le hors détecteur, j'ai quasiment tout. J'en ai 2 sur 4. Ça commence à être tendu, les amis. Bon, on va se faire quelques singles, mais au final, je pense que je vais m'arrêter assez rapidement. Parce que là, les gars, je sais pas, je vais pas forcer alors que j'ai eu ce que je voulais. C'est encore un 5 étoiles, ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est la vidéo! La vidéo! Attendez, je regarde pas. Parce que si je lis la phrase, moi je connais tout. Je vais le savoir. Oh! Mais le BC frère! Mais qu'est-ce qui se passe, les amis? Mais c'est le feu! Mais Byakuya qui sort! Mais 3 singles, 2 persos du portail! Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi ce délire? Mais. Putain, mais ça fait. Mais non, mais. Depuis Komamura, c'est le premier 5 étoiles que j'ai eu sur le portail. Après, j'ai eu que du hors détecteur. Et en plus, après des 200, des 300, des 400, des 500 orbes de claquer. A chaque fois, je respecte un peu le taux de drop. Et là, on n'arrête pas. Ça arrête pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Le taux de drop, il est de 5%. 6%, pardon. Mais c'est le feu. Attendez. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Mais qu'est-ce qui se passe? Aïe, aïe, aïe. Mais non, mais... Bon, les gars, on va continuer un petit peu. Non mais est-ce que tu peux me donner le Toshiro? Parce que je sais pas ce qui se passe là, mais c'est n'importe quoi. Ok, une 3 étoiles. Mais... Je sais plus quoi dire. Là, j'ai plus les mots, j'ai tapé ce qui me manquait. Je pense qu'on va s'arrêter à 200 orbes, parce que voilà. Je vais pas claquer plus, ça sert à rien. Surtout que là, je vais avoir du mal à m'en faire... Enfin, me refaire des orbes quand même. Alors il reste les personnages à farmer, mais les événements, mais c'est tout quoi, après c'est fini. Est-ce que tu peux nous donner une dernière 5 étoiles? C'est le mec qu'on a jamais... Non, c'est une 4 étoiles. J'ai eu un petit doute, des fois c'est un peu douteux quand même, tu doutes un peu. Bon, on va s'arrêter là les amis, ça sert à rien de forcer, là clairement, il restait le Byakuya, on a tapé le Byakuya. Ça sert à rien de forcer, le Toshiro pour moi c'était le moins intéressant, même s'il est bon. Ça sert à rien, ça sert à rien que je force, c'est inutile là, franchement, non, ça sert à rien de forcer. Donc on va s'arrêter là les amis, franchement, t'as encore une fois la single, mais me met bien, mais d'une force,
Alors après, quand j'ai fait en off, j'ai eu mon taux de drop. Là, par contre, on a explosé le taux de drop. Parce qu'on a claqué quoi? On a claqué 125 orbes. Bon, donc on a fait combien? On a fait 5 singles, je crois. Non, 6 singles, je crois. 6 singles, on a fait 6 singles. On a eu 2 5 étoiles du portail. C'est oufissime. Mais c'est ça qui est bien dans le Blitz, c'est que quand même, t'as une grande chance d'avoir ce que tu veux. Parce que forcément, comme il y a 4 cartes dans le portail et quelques cartes hors détecteur, c'est quand même ouf. Voilà les amis, bon sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.